Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Tu viens témoigner oui. ce que le Dieu de papa ferait à faire. Oui. Allons-y. Puissance 7. Je salue tous les enfants du Dieu de Papa Florian, ici comme ailleurs. Je suis venue avec deux bagages ce matin. Oui. Le premier, c'est la repentance. La repentance, c'était mon deuxième projet. Mais Dieu de Papa Florian n'avait pas encore validé. C'était d'abord le témoignage que je devais envoyer. Mais c'était au cours de la prière du samedi passé. Et quand Papa Florian a fait son entrée, il y a une voix qui me dit, « Tu vas maintenant aller te repentir. » J'ai dit non. On a déjà fait la cérémonie de récupération. Non, non, retour à l'envoyeur, récupération. Donc c'est fini. La voix dit non. C'est ton heure. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je suis là ce matin pour les deux sujets. D'abord, quand je n'avais pas encore, je ne connaissais pas le chemin du ciel, j'ai un comportement, je n'arrivais pas à triompher sur ce comportement. J'aime faire les affaires, quand je fais ça marche, ça c'est mon travail. Mais quand je prends crédit là, je ne rembourse pas. Ah oui, ça c'était mon fort. Quand ça commence à marcher, les gens croient en moi. Donc on me donne des crédits sans toutefois que je ne demande. Donc, quand je prends là, c'est fini. Hein. C'est fini. Je passe même plus. C'est tu passes aussi la même route. Non, amitié, ça là, c'est fini. Wow. Ça, c'était mon comportement. Et au Koweït, je disais toujours, Dieu de Papa Florian, avec toi, on peut tout. Ça, là, il faut enlever ça là dans ma vie. Je n'aime pas, mais je pratique en fait. Mais il ne m'avait pas encore donné une réponse. Voilà, il n'a pas encore validé. Et c'est la fois passée, samedi passé là. Il me dit, il faut te repentir pour que tu sois libéré. Donc je suis venue ce matin pour demander pardon au Dieu de Papa Florian. Il enlève esprit. Voilà, il n'a qu'à enlever esprit de crédit. Mm-hmm. Parce qu'il est en train de me faire rentrer dans ma destinée. J'aime vraiment vendre le commerce. Mm-hmm. Depuis petite, à l'école primaire, moi c'est le commerce. Et quand je fais, ça marche. Voilà. J'ai voyagé là, c'était pour aller revenir et puis agrandir le travail que je faisais, les habits traditionnels. Bon, je suis partie, je suis revenue et quand je devais venir, j'ai fait un songe où je suis en train de vendre aubergine. Je me réveille, j'attrape ma tête. J'ai dit non, Dieu de Papa François, s'il te plaît, moi là, quand je venais là, quand je voyageais, j'étais déjà dans affaire des affaires. C'est quoi cette affaire d'aubergine? J'ai pleuré. Le lendemain, je vois le même songe. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand je suis venue dans le mois d'avril, je demandais, j'ai dit, quand on va commencer ton travail là? Parce que je ne savais même pas où je vais commencer. Je ne connais même pas où se trouve le marché. Donc, le 4 février, il m'envoie dans un marché. J'ai dit, si tu es là, allons. Cherche la place. Et puis maintenant, je vais m'installer. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'aujourd'hui, là où je suis, je ne paye pas. Parce que je lui ai dit, si c'est toi ton travail d'aubergine, là, mm-hmm. toi-même tu cherches la place, tu payes, moi je ne vais pas payer, hein? Mm-hmm. Parce que moi c'est habit, je vends. Donc je me suis installée, Papa Fulgence, de toute façon ça marche. Wow. Ça marche, on dirait. Les gens me demandaient, eh, toi tu pries où? Je dis non, c'est chemin du ciel, vous voyez les sons, parce que mes appareils, ils déposent là. Je dis les sons, tout ce que vous voyez avec moi, là, ça quitte là-bas. Que tu as un pouvoir qui dépasse le pouvoir des jumelles que nous sommes. Il y a une sœur qui m'a dit ça. J'ai dit, quel pouvoir? Sang de Jésus, même là, j'ai toujours le petit fond. Moi, je n'ai jamais une bouteille remplie. Je prends, je dis, voilà mon pouvoir. Je dis, non, Touré, ce n'est pas vrai. Tu es trop puissante. Je dis, non. D'accord, c'est mon Dieu qui est puissant. Et un certain moment, ça marchait, mais je suis seule. Il faut aller à Djamé, il faut revenir à 4 heures, il faut aller vendre, il faut aller maintenant faire pour la maison. Donc j'ai dit, Dieu de Papa Florian, je vais changer. Ce que moi je vais faire là, je veux que tu valides. Il a validé avec les songes, avec les moyens financiers. Et là, au marché, je ne savais pas que c'était un plan. On m'a donné une fille. Que, ah, Touré, chez toi là, ça marche, on va te donner une fille. J'ai dit d'accord, sans toutefois consulter Dieu de Papa Florian. La fille est venue, elle a commencé le travail. D'abord, le jour où elle est rentrée, 90 000 est quitté dans mon sac.
Oui, l'argent est perdu. Je dis, ça là, on a commencé. Quand elle vient à la maison chez moi, non, ce n'est pas le travail. Donc, j'ai tout de suite compris. Elle a fait 19 jours, je lui ai donné tout son salaire. Elle est partie. Et là, je continue. Je dis, Dieu de Papa Florian, ce commerce de pain là, je connais ce qu'il y a. On voyage beaucoup, ça marche, mais je suis seule. Donc, je partais à Djamé un jour. Et puis, il y a une voix qui me dit, Emma. Tout de suite, j'ai compris. Je dis, hein, la fille à mon petit frère. J'appelle ma maman, je dis, je vais prendre Emma. Elle dit, non. Il ne faut pas prendre Emma. Je vais te donner la plus grande. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que j'ai accepté la volonté de ma mère, au lieu de prendre la volonté de Dieu de Papa Florian. La fille, elle est venue. Même jour, elle est venue, je fais un songe où j'ai un bébé noir dans mon bras. Et l'enfant a déféqué, l'a mangé son... Excusez-moi, son caca, sa tête là, tout est déchet, mon bras là, tout est déchet. J'ai dit, ça c'est blocage. Bon, après, je demande à la fille, les jours qui ont suivi, je dis, la manière elle te regarde avec mes yeux spirituels là, tu n'es pas clair. Elle a nié deux fois, troisième fois, elle s'assoit, elle commence à pleurer, elle commence à parler maintenant. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit, je suis venue d'abord pour te détruire parce qu'on n'arrive pas. Et je vais mettre séparation entre toi et puis ton mari. Et puis vous donner des maladies qui vont, en tout cas, enfler les pieds. Elle a parlé. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, tout ce qu'on fait, on n'arrive pas. Donc, je suis venue pour ça. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a parlé. Tout ce qu'elle pouvait dire, elle a fait. Je faisais des vidéos en me cachant, toujours devant l'hôtel. Et je voyais que les condiments de sauce, le pain que j'ai commencé, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau. Je ne me retrouvais plus. J'ai dit, ah, ça là. Donc, j'ai dit, Dieu de Papa Florian. Moi-même, j'ai péché. Au lieu de t'obéir, j'ai obéi à ma mère. Donc, je te dis, si mes affaires là, tu relèves là, je ne vais pas te donner quoi que ce soit. Mais je vais aller faire un témoin pour te dire merci. Et c'est ce témoin que je suis venu faire. C'est lui qui m'a dit samedi passé de venir parler de mon crédit que je prends partout et puis je n'arrive pas à payer pour que ce démon-là me laisse. Raison pour laquelle je suis là ce matin. Voilà, je lui dis merci pour ce travail qu'il en train de faire. Je lui dis merci parce qu'il m'a donné quand même la capacité de faire. C'est-à-dire, les filles-là sont parties, il m'a donné la force. J'ai accompagné l'autre dans mon village, l'autre aussi, je l'ai accompagné. Et je vois que mes affaires ont... Oui, je vois même, je suis maintenant dans ma peau. Voilà. Raison pour laquelle je suis là ce matin. Voilà. Qu'il me pardonne pour les crédits et qu'il continue de me positionner. Et c'est ce qu'il va faire. Amen. Gloire à Dieu, c'est l'offrande de remerciement. C'est l'offrande de remerciement, c'est pas beaucoup, hein. Mais vraiment, c'est pour lui dire que je l'aime. Beaucoup là, c'est en route. Amen. Gloire à Dieu. Amen.